Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Mes chers amis, encore une fois, nous disons merci à notre Dieu pour sa grâce, sa bonté et sa fidélité. Nous lui remercions pour toute l'étendue de sa bonté, parce que au jour le jour, nous nous réjouissons dans les frontières de sa bonté inestimable, de sa bonté que personne ne peut décrire. Et nous avons pour devoir de remercier notre Dieu chaque fois que nous avons cette opportunité. Et c'est à raison, c'est avec beaucoup de raisons que nous devons remercier notre Dieu, parce que nous ne finirons jamais d'énumérer le nombre d'interventions qu'il a faites en notre faveur, le nombre de miracles qu'il a opérés, le nombre de prodiges qu'il a opérés, parce que notre Dieu fait des miracles et des prodiges au jour le jour. D'ailleurs, par le fait même que nous soyons encore vivants et présents sur cette terre, c'est une grâce excellente. Et la plus grande grâce, c'est que nous soyons rangés au nombre de ses enfants, au nombre de ceux-là qui doivent hériter le salut, de ceux-là qui attendent, qui sont sauvés et qui attendent le retour de Jésus-Christ et qui ont l'espérance de participer à l'enlèvement de l'Église. C'est la plus grande espérance, c'est pour cela qu'au jour le jour, je dirais même chaque seconde, seconde après seconde, minute après minute, nous devons remercier le Seigneur, lui dire merci pour sa bonté et sa fidélité. Nous devons toujours tenir à cœur de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue de faire en notre faveur. N'oublie jamais de remercier le Seigneur pour le sacrifice excellent, le sacrifice expiatoire qu'il a consenti pour nous sauver sur le bois du calvaire. Car c'est grâce à ce sacrifice que nous avons la vie. C'est grâce à ce sacrifice que nous avons cette merveilleuse espérance qu'est le retour de Jésus-Christ et surtout, eh bien, de jouir avec lui dans son royaume d'une éternité bienheureuse. N'oublie jamais la promesse que le Seigneur a faite à celui celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc mes chers amis, invoquons le nom de notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de merveille, nous t'adorons et te louerons, parce que tu es digne de gloire, d'adoration et d'exaltation. Ton nom soit à jamais béni. Car d'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci pour ta bonté, merci pour cette journée que nous avons passée dans ta sainte et glorieuse présence. Merci de nous visiter au jour le jour, Seigneur. Merci pour l'espérance du salut. Et merci pour tes amis, tes serviteurs, Seigneur, qu'ils se trouvent en ce moment. Ô Dieu, ceux-là qui sont au Canada, aux États-Unis, en France, en Europe, en Haïti et partout ailleurs, Seigneur. Nous savons que tu as tes serviteurs et tes servantes, ô Dieu, qui préfèrent être libres de ta sainte parole, car ta parole est la vérité. Merci, Seigneur, pour cette opportunité, cette possibilité, cette grâce excellente que tu nous as faite, ô Dieu, ta sainte parole. Non seulement elle est la vérité, mais elle est pour nous un éclairage. Elle est pour nous une lumière, une puissante lumière sur le sentier de la vie, Seigneur. Oh, la vie qui est de jour en jour de plus en plus difficile. Mais avec cette lumière, oh Dieu, nous savons où mettre nos pieds. Merci pour tes valeureux serviteurs et servantes, Seigneur. Donne à chacun de la grâce de rester debout au milieu des ruines de ce monde. Donne à chacun de la grâce, oh Dieu, de résister aux attraits de ce monde, aux menaces de l'ennemi, oh Dieu, qui aboie alors qu'il est attaché quelque part, ô Dieu, car tu es le Tout-Puissant et d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donne-nous la grâce, Seigneur, de passer un bon moment dans l'étude, dans les profondeurs de ta sainte parole. Donne-nous bénir, ô Dieu, et permets que ta parole continue à nous transformer, à nous guérir, à nous régénérer, Seigneur, afin que nous soyons assagis à salut. Et partout nous passons, Seigneur, nous soyons comme des flambeaux qui laissent entrevoir la lumière de l'Évangile. Et nous ayons toujours à nos mains, ô Dieu, l'étendard étoilé de la puissance de l'Évangile. Oui, l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Préserve-nous des attaques du monde des ténèbres, ô Dieu trois fois saint. Tandis que nous te demandons de nous pardonner nos fautes.
nos erreurs, nos errements, ô Dieu, et tout ce que nous avons fait qui eût été contraire à ta sainte volonté. Donne-nous, ô Dieu, de jouir de ta sainteté au jour le jour, Seigneur, afin que nous soyons, ô Dieu, réellement ton temple, car notre être tout entier doit être le temple du Saint-Esprit. Viens faire au-delà de nos pensées, Seigneur, sans oublier nos amis qui sont victimes par cette maladie qui fait rage, qui fait énormément de ravages, ô Dieu. Nous te supplions de les visiter. Il y en a qui sont touchés, ô Dieu, dans leur propre chair. Il y en a aussi, Seigneur, qui ont perdu des êtres qui leur sont chers. Nous te supplions de les visiter, car même s'ils avaient la possibilité de faire leur deuil, Mère, ô Dieu, ce deuil n'aurait jamais pu surpasser, Seigneur, ta consolation, la consolation que toi tu donnes. Nous te supplions, ô Dieu, de les consoler. Donne-leur, ô Dieu, la grâce de trouver en toi tout ce qu'il y a de consolation, de force, afin qu'ils puissent passer victorieusement ces moments difficiles. Car nous savons, ô Dieu, que sur cette terre, nous ne sommes que passagers, ô Dieu. Mais l'important est que, où passerons-nous notre éternité, ô Dieu? Donne à chacun de nous la grâce de pouvoir répondre à cette question, ô Dieu, et que nous soyons sûrs et certains que notre éternité sera une éternité bienheureuse, parce que nous la passerons en ta présence. Ô Dieu, trois fois saint, viens faire au-delà de nos pensées notre entendement, ô Dieu, car tu sais tout ce dont tes servants et serviteurs ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Rédempteur, nous te prions, sur lequel soit l'autorité, oh, la guérison, la victoire, le triomphe, les merveilles, la sainteté, au siècle des siècles. Amen. Oui, mes chers amis, nous avions déjà commencé avec notre enseignement autour de la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. C'est comme ça que cette prophétie est surnommée, la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. Nous venons à peine de mettre fin avec la première partie. Un petit résumé, la première partie concerne la reconstruction du temple, en fait, des murailles de Jérusalem. Parce que le temple avait été déjà reconstruit sous Zorobabel, eh bien, des années plus tard, suite à l'intervention d'Esdras, et surtout au décret promulgué par le roi Artaxerxès, dont le surnom est Artaxerxès Ier, Artaxerxès Longuemain, c'est comme cela que l'histoire l'appelle, eh bien, Artaxerxès a pris un décret, et c'est à partir de ce décret que la période des 70 semaines a pu commencer. Et c'est à partir de ce décret aussi, ce décret a fait suite à la prière que le gouverneur le Néhémie avait adressée à Dieu lorsque son ami, son frère Hanani, était venu auprès de lui pour lui dire, eh bien, voici l'état des murailles de Jérusalem, les murailles sont en ruine. Donc, lorsque les murailles d'une ville sont en ruine, cela veut dire que c'est pas une ville, c'est n'importe quoi. La ville n'existe pas vraiment, donc, parce que sans murailles, il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de protection. Mais avec les murailles aussi, eh bien, il peut y avoir des velléités d'indépendance ou d'autonomie. Donc, avant de s'engager dans cette demande, dans cette requête auprès du roi, Néhémie s'est
eh bien, s'est présenté d'abord devant le Dieu Tout-Puissant, le souverain de l'univers. Lui, lorsqu'il parle, le néant tressaille aux premiers accents de sa parole vivante. Donc, mes chers amis, nous avions commencé par expliquer cette première partie lorsque Néhémie avait reçu l'autorisation du roi, également des matériaux pour aller procéder à la reconstruction du temple. Et Néhémie avait été également, du coup, nommé gouverneur de Juda. Donc, avec toutes ces possibilités, eh bien, il avait la possibilité, sous l'onction du Seigneur, eh bien, de réaliser cette œuvre gigantesque qui était la reconstruction des murailles de Jérusalem. Nous avions vu que ce n'était pas du tout facile pour Néhémie. Ce n'était pas du tout facile pour Néhémie parce que Néhémie devait faire face à des opposants. Oui, les oppositions étaient colossales. On peut dire qu'en dépit de grandes possibilités, de l'autorité, des armées qui accompagnaient Néhémie pour cette œuvre, eh bien, si le Seigneur n'était pas de son côté, si le Seigneur n'avait pas comblé le gouverneur Néhémie de grâce, n'avait pas comblé Néhémie, ne se constituait pas un bouclier protecteur autour du gouverneur Néhémie, en dépit de toutes les possibilités royales qu'il avait, il n'aurait jamais pu arriver à reconstruire les murailles de Jérusalem, et non seulement les murailles, mais toute la ville de Jérusalem. La première partie de cette prophétie, c'est 7 semaines qui équivalent à 49 années. C'était semaine d'année, ça a équivalu à 49 années. Donc les oppositions étaient sévères. Il y a eu des railleries. Il y a eu avec Sambala et Tobija qui se moquaient des Juifs. Il y a eu aussi des oppositions telles que le découragement. C'était une terrible opposition, une terrible forme d'opposition. Il va y avoir la cupidité des chefs qui se trouvaient à Jérusalem, ces exilés qui avaient accompagné même Néhémie. Eh bien, ils étaient cupides, ils étaient avares. Eh bien, Néhémie, en donnant l'exemple, il a pu corriger cette situation. Il y a eu cette quatrième forme d'opposition qui était non moins insupportable, la ruse et le mensonge. Nous voyons que lorsque Sambala a vu que Néhémie, ses compagnons, étaient sur le point d'achever la reconstruction de la muraille, Sambala et Tobija, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, Geshem? Ils ont dit un complot. Ils ont invité Néhémie à venir participer à quelque chose, à une réunion avec eux. Mais Néhémie étant été tenu au courant de ce qu'il tramait, de ce qu'il ourdissait, eh bien, Néhémie ne s'y est pas rendu parce qu'il ourdissait un complot pour faire du mal au gouverneur. Cette quatrième forme d'opposition était terrible. Et après cette opposition, eh bien, Néhémie a pu déceler un autre complot, eh bien, où Sambala et Tobija, eh bien, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient payé des prophètes, des faux prophètes, bien entendu, payé des prophètes pour essayer de faire pression sur le gouverneur Néhémie. Mais en dépit de tout cela, Néhémie avait réussi à reconstruire. Il faut dire que lors de son premier voyage à Jérusalem, Néhémie s'était fait accompagner du scribe, du sacrificateur, de l'homme de Dieu, Esdras, et également un groupe de juifs avait accompagné Néhémie pour retourner à Juda, à Jérusalem. Et ce qui importe dans cette première partie, mes chers amis, il faut voir l'importance de la prière. L'importance de la prière parce que pour procéder à la reconstruction de des murailles de Jérusalem, Néhémie, le livre de Néhémie nous dit que 52 jours avaient suffi et au bout de ces 52 jours, Néhémie avait déjà terminé avec la reconstruction de la muraille. Selon Néhémie chapitre 6, les versets 15 et 16. Mais ce n'était pas seulement ça qu'il fallait faire, parce que la ville était spacieuse, était très spacieuse et également grande, mais peu peuplée. Et les maisons n'étaient pas bâties, d'après Néhémie chapitre 7, le verset 14. Donc, la réforme devait continuer.
Donc, Néhémie a continué à effectuer cette réforme sur l'ordre du Dieu Tout-Puissant. Parce que si tu lis le livre du gouverneur Néhémie, du début à la fin, tu vas voir que ce livre est émaillé de prières et de jeûnes. C'est pas croyable, mes chers amis. Le livre est émaillé de prières et de jeûnes. Il faut jamais oublier que quoi que le Seigneur nous demande de faire pour sa gloire et sa volonté, eh bien, ça nous prend des temps, des nuits de prières et de jeûnes. Il n'y a pas de serviteur de Dieu sans la prière. Il n'y a pas de servante de Dieu sans la prière, sans le jeûne. Pour résister au diable, pour mener une vie de victoire, pour lutter, pour aller de victoire en victoire, pour être toujours vainqueur, pour résister aux attraits de ce monde pourri et corrompu, pour combattre le bon combat de la foi, ça prend des moments de prière et des moments de jeûne. Donc tout serviteur de Dieu qui veut résister au diable et combattre jusqu'au sang, comme nous l'a demandé la parole de Dieu, il faut résister jusqu'au sang et rester fidèle jusqu'à la mort. Ça prend des moments de jeûne, de prière. Eh bien, c'est ce qu'avait fait Néhémie qui fait qu'il avait pu réussir avec ce noble travail que le Seigneur lui avait demandé et le Seigneur l'a utilisé pour faire pour sa gloire et pour sa gloire. Oui, pour sa gloire totalement, parce qu'il n'y a aucun autre mot qui puisse remplacer la gloire de notre Dieu. Donc, la réforme a dû continuer, mes chers amis. Dans Néhémie chapitre 7, le verset 5, nous lisons. Néhémie a dit, « Mon Dieu me mit à cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. » Regarde ce que Néhémie a dit. Il n'a pas dit qu'il a réfléchi, qu'il a pensé, mais il a dit, « Le Seigneur a déposé sur son cœur, eh bien, sa volonté. » Pourquoi Néhémie a pu ressentir la volonté du Seigneur? Et pourquoi il a pu discerner la volonté du Seigneur? C'est parce que le gouverneur était un homme de prière. Le gouverneur était un homme de jeûne. Donc, mes chers amis, c'est une leçon à ne pas sous-estimer, à ne jamais oublier que sans la prière, l'homme de Dieu ne peut pas résister. Nous vivons dans un monde où tout va à l'envers. Ça nous prend des moments de prière, soit des nuits de prière, soit des journées de jeûne. Mais ça prend des moments de prière, de jeûne, d'adoration. Il faut faire tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons pour trouver des moments pour prier et pour jeûner. Ne laisse jamais un travail ou bien une circonstance fortuite de ce monde nous ravir nos moments de prière, nos moments de jeûne. Ne laisse jamais un boulot, quel que soit le salaire élevé, ne laisse jamais un boulot, un contact, une relation nous ravisse des moments de prière et de jeûne. Car c'est la condition sine qua non de rester en contact avec notre Dieu, qui est la source de notre résistance et plus particulièrement le consommateur de notre foi. Donc, le gouverneur Néhémie, après cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des arrangements administratifs pour réorganiser le peuple et toutes les institutions selon les commandements de la loi de Moïse. Pourquoi? C'est parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre et de discipline. Donc en disant cela, je salue tous nos amis qui sont avec nous. Donc ce soir, pour ne pas faire des jaloux, je ne fais pas de personnalité, mais je vous salue dans le nom précieux de notre divin sauveur, Jésus-Christ. Donc Néhémie a remarqué un certain désordre, un désordre profond, mais c'est normal parce que le peuple était absent de ce territoire pendant plus de 70 ans. Des années sont passées, les murailles de la ville sont en ruine, etc. Donc le moment venu pour que la cité de Jérusalem et ses murailles puissent être construites, donc il y a du travail à faire. Mais heureusement, le gouverneur était un homme qui restait au pied de Dieu dans la prière et dans le jeûne. Donc, sous l'ordre du Seigneur, il a pu rétablir la discipline et
l'ordre au sein du peuple d'Israël. Donc après cela, le peuple s'assembla, c'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Le peuple s'assembla comme un seul homme. Ça veut dire que l'ordre est tellement rétabli au sein du peuple de Juda, au sein d'Israël, que le peuple a trouvé son unité. Non seulement son unité organisationnelle, mais également son unité organique, afin de se présenter comme un seul homme. Et sur la place, et le peuple a demandé au scribe, au sacrificateur Esdras, d'apporter le livre de la loi de Moïse et de le lire en leur présence. Et le peuple est resté debout, mes chers amis, jusqu'au milieu du jour sur la place pour écouter la lecture de la parole de Dieu, la lecture des Saintes Écritures, la lecture du livre de la loi. Donc nous comprenons que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, nous trouvons la vie. Donc c'est pour cela, mes chers amis, lorsque la parole du Seigneur est prêchée, lorsque la parole du Seigneur est enseignée, il faut jamais se sentir fatigué. Lorsqu'on se sent fatigué, il faut aller auprès de Dieu. Regardez, parce qu'il va y avoir un réveil. Et après avoir écouté tout ce qui est écrit dans le livre de Moïse, dont le sacrificateur Esdras, le scribe Esdras, donna la lecture, eh bien, le peuple dit Amen en s'inclinant et en se prosternant devant l'Éternel, le visage contre terre, d'après Néhémie chapitre 8, du verset 1er au verset 7, mes chers amis, après la lecture de la loi, il va y avoir un grand réveil. Parce que, mes chers amis, lorsque c'est la parole de Dieu qui fait autorité dans la vie d'une personne, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'un groupe, il n'est pas question de sommeil spirituel. Il n'est pas question de léthargie spirituelle. Il est question de réveil. Tu vas être toujours en réveil. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu s'établit, fait autorité dans ta vie. Néhémie chapitre 8, du verset 8 au verset 18, nous lisons. Ils lisaient distinctement la loi de Dieu et ils en pensaient pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait. Et en entendant les paroles de la loi. Donc, mes chers amis, lorsque tu entends la parole de Dieu proclamée, eh bien, il y a un effet protecteur. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Lorsque c'est la parole de Dieu, c'est pour cela, mes chers amis, que nous devons donner autorité à la parole de Dieu, pas à notre philosophie, pas à des principes des courants philosophiques ou théologiques. C'est bon de faire des études, c'est bon de lire des auteurs, mais c'est meilleur de laisser l'autorité à la parole de notre Dieu, car sa parole est la vérité, car la parole du Seigneur constitue le fondement solide de la foi qui sauve, de la foi qui, eh bien, de la foi qui sauve, de la foi qui donne la victoire, de la vraie foi. Donc, si tu veux avoir la vraie foi, ta foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Donc, il leur dit, allez, le sacrificateur Esdras et Néhémie, il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à l'Éternel, votre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Donc, mes chers amis, en lisant ces passages, eh bien, je te dis, ne sois pas affligé de ce que tu entends. Ne sois pas affligé des nouvelles que tu as entendues. Ne sois pas affligé des nouvelles qui se donnent jour le jour, le nombre de cadavres et les menaces, les troubles, les confusions. N'en sois pas affligé, car la joie de l'Éternel est ta force. Oui, la voix de l'Éternel est la force de ses enfants. La joie de l'Éternel est la force de ses serviteurs, de ses servantes. Puisse la joie de l'Éternel être ta force
et tu ne seras jamais confus. Alléluia. Ce réveil, mes chers amis, qui a eu lieu après que Néhémie et Esdras, les Lévites, eurent donné lecture de la loi de Dieu, ce réveil a donné lieu à la confession, la repentance des enfants d'Israël. Bien-aimés, lorsqu'on est en éveil, lorsqu'on est réveillé spirituellement, on ne peut pas vivre avec le péché. Aucun péché non confessé. Aucun péché non confessé. Car le serviteur de Dieu, il est le temps, son corps est le temple du Seigneur. Lorsqu'il est en réveil spirituel, eh bien, le péché n'a plus sa place. Il va se débarrasser du moindre péché. Parce que la présence du Saint-Esprit est là. Et Néhémie va profiter aussi pour relocaliser le peuple. Les différentes familles, surtout les familles des exilés qui étaient rentrées à Jérusalem, eh bien, avec Esdras et également avec Néhémie, qui les avait accompagnés lorsqu'ils devaient retourner. Ça a été le deuxième retour, parce qu'il y a eu un premier retour avec Zorobabel, des années avant, mais ce sera l'autre retour avec le gouverneur Néhémie et accompagné d'Esdras. Eh bien, ces familles. Il faut dire aussi, bien-aimés, que bon nombre de ces réformes qu'avait opéré Néhémie ont été... Il y a d'autres réformes, bien entendu, qui ont été opérées en l'absence du gouverneur Néhémie. Parce qu'en 432, Néhémie devait retourner, soit à Persépolis, soit à Suse, là où se trouvait le palais royal. Parce qu'à l'époque, c'était l'Empire Médo-Perse, à ne pas oublier. Donc, Néhémie chapitre 13, du verset 6 à 7, nous lisons « Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. » Donc, Néhémie, après ce réveil, Néhémie a eu le temps de retourner à Suse. Et il a passé un bon bout de temps parce qu'il a passé aux environs de 10 ans. Et selon la parole du Seigneur, durant cette absence, le Seigneur avait suscité également d'autres serviteurs pour aider le peuple à se réveiller réellement, à mettre en application tout ce qu'il venait d'entendre de la bouche d'Esdras et de Néhémie. Et l'un de ces prophètes, c'était Malachie. Et c'est Malachie que le Seigneur avait suscité durant cette période pour encourager le peuple sur la voie du réveil et de la réforme en leur rappelant qu'il y a d'autres bénédictions, des plus grandes bénédictions à venir. Donc, mes chers amis, il faut dire que le Seigneur prend toujours soin de son travail. En l'absence du gouverneur Néhémie, eh bien, le Seigneur a suscité le prophète Malachie. Et ce sera le dernier prophète avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, à son retour, près de 10 ou 12 ans après, eh bien, le gouverneur Néhémie va continuer avec les réformes, parce que la situation, malgré les prédications, eh bien, l'encouragement de Malachie, des années plus tard, eh bien, il y a encore des problèmes à corriger à Jérusalem. Donc, après chaque série de réformes, mes chers amis, le gouverneur a prié. Il faut surtout remarquer ça. Néhémie n'a rien fait sans avoir procédé à la prière, sans avoir invoqué son Dieu. Néhémie n'entreprend jamais une réforme sans avoir préalablement eu le temps de s'adresser au Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? C'est parce que sa force, comme il avait dit, la joie de l'Éternel est sa force. Donc, pour réussir dans ton travail, dans ta vie, tout serviteur de Dieu doit se rappeler. C'est bon d'avoir les diplômes. C'est pas mauvais d'avoir des contacts humains. C'est pas non plus mauvais de faire des démarches. Mais c'est nécessaire, c'est indispensable d'être en communion avec l'Éternel. Car c'est seulement en l'Éternel des armées qu'il y a des chemins tout tracés. C'est seulement dans sa présence que tu trouveras des chemins tout tracés. Parce que même avec des diplômes, eh bien, toutes les routes peuvent être fermées devant toi.
avec les contacts. Il y a des barrières partout, à gauche, à droite. Il y a des barrières, il y a des barrières, il y a des barrières solides et en acier qui sont érigées autour de toi, en dépit de tes formations, en dépit de tes contacts, en dépit de tes relations humaines, en dépit de tout ce que tu as étudié, tu connais, en dépit de tous les investissements que tu as faits. Cependant, dans la présence de Dieu, même si toutes les routes sont fermées, mais dans la présence de Dieu, il y a des chemins tout tracés. Oui, tout tracé pour les serviteurs du Seigneur. Pour cela que le gouverneur Néhémie a toujours pris le temps de prier le Seigneur, de rester en contact avec le Seigneur, de la communion avec le Seigneur, parce que sa réussite en dépend. Néhémie chapitre 1, verset 4, nous avons vu que, eh bien, la mission de Néhémie a commencé par la prière. La mission, avant même que Néhémie se fût adressé au roi Artaxerxès, eh bien, il a prié. Et le livre du gouverneur Néhémie va aussi se terminer par la prière. Dans Néhémie chapitre 1, le verset 4, nous lisons, « Lorsque j'entendis ces choses, » c'est le gouverneur qui parle, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleuris. Et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Et dans Néhémie chapitre 13, le verset 31, et bien le dernier verset, nous lisons, « Et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Donc, le gouverneur a commencé par la prière. Il a continué par la prière. Et il a terminé par la prière. Et les stratégies qu'il a pu mettre en application lui ont été données par Dieu. Il avait trouvé toutes ses stratégies dans la présence de Dieu parce qu'il était toujours en communion avec le souverain des cieux. Oui, que le nom du Seigneur soit loué. Ainsi, mes chers amis, cette reconstruction, la reconstruction de la muraille de Jérusalem, avait nécessité 49 ans, selon la parole du Seigneur. Car au bout de ce temps, il y a eu la réorganisation complète de la nation juive. Le peuple a réussi aussi à surmonter les oppositions, les ministres, les intrigues des peuplades environnantes. Parce qu'il y avait d'autres peuples qui étaient hostiles à la nation d'Israël et à la construction, à la reconstruction de ces murailles. Donc après ces années, mes chers amis, Esdras et Néhémie avaient réussi, grâce à la puissance de Dieu, à reconstruire Jérusalem, consolider ces murailles et, comme nous disent la parole, les Saintes Écritures, construire les places et les fossés, comme l'ange Gabriel avait dit à Daniel, en des temps fâcheux. Ça veut dire en des temps très difficiles. Donc, bien aimé, entre la première partie de la prophétie de 70 semaines de Daniel et la deuxième partie de cette même prophétie, il n'y a pas d'intervalle. Tu vas retrouver un intervalle entre la 69e semaine et la 70e semaine. Et si tu vois, si tu lis le verset, tu vas voir que ces deux parties sont séparées simplement par un point virgule. Alors que la deuxième partie est séparée de la troisième partie par un point. Ce n'est pas un hasard. C'est le conseil divin qui l'a voulu ainsi. Entre la première, il n'y a pas d'intervalle, donc il n'y a pas de rupture. Mais il y a continuité. Donc, la deuxième période de la prophétie des 70 semaines de Daniel. La deuxième période, bien-aimée, comprend 62 semaines, selon ce qu'avait dit l'ange Gabriel au prophète Daniel. 62 semaines qui équivalent à 434 ans. 434 ans. À remarquer que cette période connue, eh bien, 434 ans, est surtout marquée, c'est une période pendant laquelle il n'y a point de prophète mandaté ou envoyé par Dieu. Il n'y a point de prophète parce que le dernier prophète, c'était le prophète Malachie. Donc, il avait exercé son ministère eh bien, à l'époque du prophète, du gouverneur Néhémie. Et surtout durant son absence, et lors de ce retour, eh bien,
C'est durant l'absence de ce gouverneur que Malachie. Donc Malachie est le dernier prophète. Donc cette période de 400 ans, 400 ans, 450, 435 ans, ce qu'on dit, eh bien, est surtout marquée, premièrement, par une période de silence de notre Dieu. Le Seigneur a fait silence. Donc après 400 ans, donc aucun autre envoyé jusqu'à Jean-Baptiste. Donc, depuis après Néhémie, mes chers amis, c'est-à-dire le peuple est resté sur cette dernière promesse de Dieu faite par le prophète Malachie. D'après Malachie 3, verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel. Donc, c'est l'accomplissement de cette prophétie de Malachie, eh bien, qui va coïncider avec et renforcer aussi la prophétie de Daniel qui devra achever cette deuxième partie de la prophétie des 70 semaines. Donc, cette prophétie de Malachie, lorsque Malachie a parlé de cette personne qui viendra, eh bien, cette prophétie va s'accomplir et va mettre fin, va achever cette deuxième partie, va participer à l'achèvement de la deuxième partie de cette noble prophétie qu'est la prophétie des 70 semaines. Ainsi, cette deuxième partie, bien-aimée, a commencé après la restauration de la ville et la reconstruction des murailles de Jérusalem et qui va s'achever à l'entrée du Messie à Jérusalem et surtout la mort ou le retranchement de loin conducteur, qui n'aura point de successeur. Donc Jésus-Christ, selon ce qu'a rapporté l'ange Gabriel au prophète du Seigneur, Daniel, qui est qualifié de bien-aimé. Donc bien-aimé, dans l'attente de cet événement, il y a près de 400 ans, selon la deuxième partie de la prophétie, des 70 semaines à traverser par le peuple d'Israël. Israël restait près de 400 ans à traverser jusqu'à l'arrivée de loin conducteur, le Messie. Pendant ces 400 ans, qu'est-ce qui s'était passé? L'histoire nous dit que pendant ces 400 ans, n'oubliez pas qu'on est toujours à ce moment-là, mais on était durant le temps des nations. Le temps des nations se déroulait. Parce que ce temps avait commencé avec le roi Nebuchadnezzar, donc le temps des nations suivait son cours. Cela a été une période de grande révolte, de grande guerre, de révolte et de très grande effusion de sang. Nous comprenons pourquoi l'ange avait dit, eh bien, ce sera une époque très difficile, parce qu'il y aura des guerres. Les guerres du royaume Médo-Perse d'abord, contre Alexandre le Grand, parce que le royaume Médo-Perse était parvenu au terme de son mandat. Parce que quel que soit le royaume de ce monde, il a un mandat. Il a un mandat. Aucun royaume ne peut exister éternellement, sauf le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun royaume terrestre ne souhaite exister éternellement. Le temps qu'il doit exister ou bien régner, ce temps-là est imparti par la souveraineté de notre Dieu. Guerre contre Alexandre le Grand à Issos en 333 et guerre encore à Gaugamélès en 331 et cette dernière guerre va mettre fin à l'empire des Mèdes et des Perses. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, va continuer avec les guerres. D'ailleurs, il sera insatiable en matière d'autorité, de pouvoir. Alexandre le Grand sera insatiable. Il a d'abord conquis l'Asie mineure, il a conquis la Syrie, il a conquis la Palestine, il a conquis l'Égypte et tout l'empire médo-perse jusqu'en Inde. C'est pour cela qu'il a été symbolisé par un animal qui court à toute vitesse sur la surface, en surface sans toucher le sol. Il devint roi de Babylone en 331, puis en 332, pharaon en Égypte, à Memphis. Et jusqu'à sa mort, il avait consolidé un très vaste empire. À la mort d'Alexandre le Grand, l'empire, comme nous l'avions vu lorsqu'on étudiait, la grande statue du prophète Daniel, son royaume était divisé en quatre parties. Les quatre principaux généraux de l'armée grecque,
et ces généraux vont s'affronter. Période de guerre, hein? Une période de guerre comme l'ange avait dit à Daniel. Ces généraux vont s'affronter, il y aura des guerres. Les Ptolémées et les partisans de Séleucus, Nécator, se livrèrent à une guerre sanglante et sans merci. Mais l'événement le plus terrible de cette époque, mes chers amis, de la deuxième période de la prophétie de Daniel, sera l'apparition de Antiochus Épiphane. Et c'est pour cela que le Seigneur a mis accent sur l'apparition de cet homme qui sera symbolisé par la petite corne. Et Daniel l'appellera la petite corne dans une autre prophétie. Et bien ce roi qui apparemment était insignifiant, il surgira usant d'artifice à la tête de Syrie. Donc ça veut dire à la fin de l'Empire grec, il y a une confusion totale, les généraux s'affrontaient. Donc la Syrie, à cette époque-là, Antiochus a profité pour s'emparer du trône dans le pays Syrie. Donc on comprend pourquoi ce roi était insignifiant, parce que la Syrie était une province. Donc ce roi, on ne prêtait pas beaucoup d'attention. Et pourtant, ce roi sera plus Nebuchadnezzar. Ce terrible roi, mes chers amis, appelé Épimanès, on le considérait comme un roi fou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a assassiné son frère, qui était l'héritier légitime du trône de la Syrie. Pas la Syrie qui avait pour capitale Ninive, mais la Syrie actuelle qui a pour capitale Damas. Il s'est emparé du trône en 175 avant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que c'est son événement, cet événement est l'événement marquant de la deuxième période? C'est parce que c'est ce seul roi. Ce roi est le seul, le premier, qui a décidé de s'attaquer à Dieu directement. Ce que ni Sédécias, un roi impie, n'avait pas fait, malgré qu'il avait déchiré, brûlé le livre du prophète Jérémie. Ce que même le roi Nebuchadnezzar, malgré son impudence, malgré ses méchancetés, malgré ses péchés, il ne s'était jamais arrogé le droit de s'attaquer aussi violemment à Dieu ni à son peuple. Antiochus Épiphane a tué plus de 80 000 juifs. Il a interdit la circoncision et les fêtes juives et il a fait brûler des exemplaires du livre de Moïse, de la Torah. Ce qui est pire, c'est que le 16 décembre 167 avant Jésus-Christ, Antiochus va faire ériger un autel à son dieu Zeus sur l'autel des sacrifices hors du temple de l'Éternel. Assurément ce temple qui avait été construit par Zorobabel. Il a fait offrir un porc sur cet autel. Et Antiochus Épiphane est allé encore plus loin. Il a exigé que chaque le 25 du mois, pour son anniversaire, les Juifs avaient l'obligation, plus particulièrement les Juifs impies, parce que tous les Juifs n'avaient pas accepté de le suivre sur cette mauvaise voie. Antiochus Épiphane avait exigé aux Juifs d'offrir un porc en sacrifice sur cet autel, l'autel du temple qui se trouvait dehors du temple. C'est le seul roi qui a eu un tel comportement odieux en face du Dieu Tout-Puissant. Mais malheureusement, plusieurs Israélites s'étaient laissés avoir parce qu'ils étaient tombés dans l'apostasie, ils étaient tombés dans le panneau qu'avait facoté Antiochus Épiphane parce qu'il leur avait fait d'énormes promesses, fallacieuses bien entendu, parce qu'il leur avait dit qu'il leur rendrait leur indépendance. Il faut rappeler aussi que c'est durant cette époque triste de l'histoire que la prophétie des 2300 soirs et matins allait trouver son accomplissement. D'après Daniel chapitre 8, le verset 14. Donc il faut dire, nous comprenons pourquoi le Seigneur n'a pas oublié les autres nations, mais le Seigneur a prophétisé, a souligné la venue de ce roi impie. Pourquoi? C'est parce que ce roi aura un comportement qui sera typique
du comportement choral l'Antichrist dans les derniers jours. Donc, c'est ça, le comportement d'Antiochus Épiphane va coïncider aussi à l'accomplissement de cette prophétie qui concerne 2300 soirs et matins que le prophète Daniel avait reçu de la part de l'Éternel, qui avait donné 2300 soirs et matins, qui étaient devenus 1150 jours, ou 3 ans et 70 jours. Parce que c'était la période exacte passée entre la profanation du temple par Antiochus Épiphane, qui avait commencé à profaner le temple lorsqu'il avait ordonné aux Juifs de venir offrir sur l'autel, hors du temple, l'autel. Il a fait offrir un porc. Il a exigé que ce sacrifice doit s'effectuer chaque mois, le 25 de chaque mois pour son anniversaire. Donc, c'est de 2300 soirs et matins, c'est la période entre la profanation du temple par Antiochus Épiphane et la remise en état par Judas Maccabée. Pourquoi? C'est parce que quand tous les sacrifices juifs, selon la loi de Moïse, furent rétablis, donc ça avait duré 2300 soirs et matins. Et Daniel avait eu cette vision, il avait eu cette prophétie longtemps avant son accomplissement. Antiochus Épiphane mourut fou, mes chers amis, en Perse en 163 avant Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'on est dans la deuxième partie de la prophétie des 70 semaines. C'était un type, Antiochus Épiphane était un type qui préfigurait l'Antichrist. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur Jésus en avait fait référence lorsqu'il parlait en Matthieu 24. Lorsque le Seigneur Jésus a dit, lorsque tu vois l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établit en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc nous comprenons, mes chers amis, que ce type était un type d'antichrist, celui qui doit se révéler à la fin des temps. Beaucoup de juifs pieux, comme je vous ai dit, avaient préféré mais fuir Jérusalem au lieu de suivre Antiochus Épiphane dans ses voies macabres. Parce que Antiochus Épiphane s'attaquait au Dieu d'Israël. Ce que même le terrible impie roi Manassé, ou Akab, ou Nebuchadnezzar, ou même Sédécias qui avait fait brûler le livre du prophète Jérémie, ce qu'aucun de ces rois impies n'avait fait. Donc Antiochus Épiphane, le Seigneur avait souligné sa venue. Pourquoi? C'est parce que Antiochus Épiphane était un précurseur de l'Antichrist. Donc, il y a des juifs qui avaient pris la fuite, qui avaient préféré laisser Jérusalem. Par exemple, il y a un sacrificateur du nom de Mattathias. Mattathias et d'autres juifs pieux qui suivaient l'Éternel, qui connaissaient la loi, qui marchaient, qui obéissaient à la parole de Dieu, eh bien, ils avaient préféré prendre les montagnes, prendre le maquis et surtout se révolter contre Antiochus Épiphane. Mais Daniel avait prédit que sa fin arrivera autant marqué. Donc, quel que soit l'impie, il y a un temps pour apparaître, un temps pour disparaître, parce que seul le règne de l'Éternel qui dure éternellement. Antiochus fut attaqué par les Romains et dut se soumettre. Il a dû se soumettre aux Romains parce qu'il avait pris une défaite contre les armées égyptiennes, parce qu'il se prépare à attaquer l'Égypte. C'est à ce moment-là que les armées romaines, parce qu'à ce moment-là, Rome s'était déjà constituée en république, mais Rome a débarqué avec une armée puissante et a soumis Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane était frustré. Et qu'est-ce qu'il a fait? En rentrant chez lui, il a passé sa rage sur le peuple de Dieu, les Juifs. Et les Romains vont conquérir des territoires, parce qu'on est à ce moment-là, durant le temps des nations. Les Romains vont conquérir des territoires jusqu'à bâtir l'Empire romain. Avec César Auguste, pour voir l'application de la prophétie de Malachie chapitre 3, verset 1. Donc avec l'entrée de l'Empire romain, Antiochus Épiphane est mort, parce qu'il était devenu fou. Donc, bien aimé, la deuxième partie, donc l'entrée de l'Empire romain ici,
eh bien, va correspondre avec la venue du prophète Jean-Baptiste. Parce que dès que l'Empire romain est constitué, Rome était passé de l'état de république pour devenir empire. Et lorsque Rome est devenu empire, avec César Auguste, eh bien, on est déjà à l'époque où Jean-Baptiste a déjà commencé à prêcher. Ainsi, la deuxième partie de la prophétie de prophète Daniel va prendre frais, mes chers amis, dès l'entrée de Jésus à Jérusalem, parce qu'à ce moment, Jésus va être révélé comme roi. N'oublie pas que lorsque le Seigneur est arrivé à Jérusalem, comment a été l'accueil? Des branches de rameaux avaient été étendues par terre pour laisser passer l'âne, eh bien, l'animal sur lequel le Seigneur était monté. Et au cri de « Hosanna, Hosanna, béni soit !» Oui, « Hosanna, béni soit !» « Hosanna, béni soit !» Et c'était l'accomplissement de la deuxième partie de la prophétie du prophète Daniel. Parce que l'ange avait dit « Daniel, après les 62 semaines, un oint, alléluia, sera retranché et il n'aura point de successeur. » Et dès l'entrée de Jésus à Jérusalem, quelques mois plus tard, le Seigneur va être mis à mort. Pour accomplir, pour mettre fin à cette 62e semaine qui avait prédit qu'un oint, ça veut dire un Messie, le Messie sera retranché et il n'aura point de successeur. Donc mes chers amis, les 7 premières semaines sont déjà accomplies. Les 62 semaines ont été accomplies, achevées à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'avait prédit l'ange Gabriel à Daniel. Cependant, il y a une autre semaine parce que la prophétie concerne, la prophétie s'appelle la prophétie des 70 semaines. Mais souviens-toi que je t'avais dit au début que entre la première partie qui est constituée de 7 semaines et la deuxième partie qui est constituée de 62 semaines, ces deux parties sont constituées par un point virgule. Ça veut dire la phrase n'a pas pris fin. Il n'y a pas de rupture, il y a continuité. Mais entre la 69e, 62e semaine et la dernière semaine, il y a un point. Et ce point est très significatif dans le plan rédempteur du Souverain des cieux. Donc 62 semaines plus 7 semaines qui sont déjà passées, ça fait 69 semaines. Or, pourquoi ce point après les 69 semaines? Pourquoi ce point? Eh bien, après les 69 semaines, il y a une parenthèse. Dès que tu sors de la première partie, tu entres dans la deuxième partie. Mais lorsque tu laisses la deuxième partie, tu ne vas pas entrer comme ça dans la troisième partie. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un point. Donc là, il y a une parenthèse, mes chers amis. Cette parenthèse est ouverte, c'est le temps de l'Église. Et c'est pour cela qu'aucun prophète de l'Ancien Testament n'avait vu l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, mes chers amis. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur va utiliser des paraboles pour montrer que l'Église, eh bien, fait partie du plan rédempteur de Dieu. Mais c'était très secret. Même les anges de Dieu sont étonnés de voir l'épouse de Jésus-Christ parce que cette prophétie n'avait même pas été révélée ni à Daniel, ni à Ézéchiel. Le prophète Ésaïe avait quelques brins de lumière. Il a prophétisé énormément sur la venue du Messie. Mais le prophète Ésaïe n'avait pas eu une vue claire de la venue de cette parenthèse qui doit donner naissance à l'épouse de Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, cette intervention spéciale, c'est le temps de l'Église de Jésus-Christ qui a été caché. Donc, nous sommes dans une parenthèse. Oui, nous sommes dans une parenthèse. Parce que l'autre semaine concerne la semaine de l'Antichrist. Parce que l'ange Gabriel avait dit à Daniel, il fera une alliance pendant une semaine. Le chef d'un peuple qui viendra détruira. Il fera une alliance pendant une semaine. Ça veut dire, l'autre semaine, sera la semaine de ce grand chef, de ce destructeur, de cet impie qui commencera par une alliance. Depuis quelque temps, il est question d'alliance, mes chers amis.
Il n'y a pas longtemps, il y a une alliance qui a été, un contrat, une petite alliance qui a été, au fait, préparée par la première puissance mondiale pour engager les Palestiniens et les Juifs. Il est vrai, il y a des problèmes, mais nous sommes au temps des alliances. Cela veut dire qu'on s'approche de plus en plus vers cette alliance. Et c'est cette alliance qui, eh bien, va nous faire entrer dans la 70e semaine. Et cette 70e semaine ne commencera pas tant que cette parenthèse qu'il y a entre la 69e semaine et la 70e semaine n'est pas fermée. Lorsqu'une parenthèse est ouverte, il faut bien qu'elle soit fermée. Et cette parenthèse, puisqu'elle concerne l'Église, elle est ouverte avec le temps de l'Église. Lorsque le Souverain des cieux, Jésus-Christ, a déclaré « Cette Église, je bâtis mon Église, et que les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » La parenthèse est ouverte par la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Cette parenthèse va se fermer, mes chers amis. Parce que pour que la 70e semaine puisse commencer, il faut bien que cette parenthèse soit fermée. Cette parenthèse va fermer avec l'enlèvement de l'Église. Maintenant, bien-aimés, nous ne sommes pas au début de cette parenthèse. Nous sommes à la fin de cette parenthèse. Parce que cette parenthèse est ouverte dès la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Après le départ de Jésus-Christ. Maintenant, on n'est pas au début de la parenthèse, on est à la fin de la parenthèse. La parenthèse, cette parenthèse de l'Église va bientôt se fermer par l'enlèvement de l'Église. Es-tu prêt? Porte maintenant. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté, ta fidélité. Tu es merveilleux. D'éternité en éternité, tu es merveilleux. Nous n'avons point de mots pour te remercier pour ta parole, ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Céleste Père, de ce que tu es pour nous un Dieu planificateur, lent à la colère, riche en bonté. Tu as mis ton omniscience à faveur de tes enfants. Oh, quel merveilleux Dieu tu es. Quel merveilleux Père tu es. Quel merveilleux Dieu tu es. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci pour ce moment que nous avions passé, ô Dieu. Permets que tous tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, où qu'ils se trouvent, donne-leur la grâce, ô Dieu, de bien assimiler ta parole. Et que ta parole puisse produire des fruits de repentance. Donne-nous, Céleste Père, en apprenant ta prophétie, tes prophéties, ta parole, de nous rappeler, ô Dieu, que nous sommes certains, certainement, ô Dieu, nous nous trouvons à la fin de cette parenthèse. Oui, c'est l'heure qu'il fait actuellement à l'horloge des Saintes Écritures, et plus particulièrement à l'horloge d'Israël. Nous sommes à la fin. Pour l'Église, nous sommes à la fin de cette parenthèse qui s'est ouverte entre la 69e semaine et la 70e semaine. Donne à chacun de nous, souverains des cieux, la grâce de continuer à travailler pour ta gloire et ton honneur, de continuer à vivre pour toi, ô Dieu, de ne pas nous laisser emporter, ô Dieu, par le découragement, par la peur, par les soucis de la vie, ô Dieu, afin que ce jour ne nous surprenne à l'improviste, Seigneur. Donne à ton serviteur, à tes serviteurs, tes servantes, tes enfants où qu'ils se trouvent sur cette planète, Seigneur, la grâce d'être réveillés comme les vierges sages, afin que ce jour ne nous surprenne, Seigneur, à l'improviste. Donne-nous de regarder dans la lampe de notre vie, la lampe de notre cœur, afin que cette lampe soit constamment remplie d'huile du Saint-Esprit, cette lampe soit constamment remplie de sanctification, cette lampe soit constamment remplie de puissance, afin qu'au son de la trompette de Dieu, qui marquera la fin de cette parenthèse, la fermeture de cette parenthèse, nous soyons, ô Dieu, du nombre des personnes qui partiront à la rencontre de notre Rédempteur Jésus-Christ dans les airs. Donne-nous, Céleste Père, dans l'intervalle,
de combattre le bon combat, de résister aux attraits de ce monde, de faire œuvre qui vaille, de combattre le péché, de confesser, de mener une vie de repentance et de sanctification, Seigneur. Ô Dieu, pour ta gloire et ton honneur, et également, ô Dieu, dans l'attente de cette noble espérance. Donne-nous de passer d'agréables soirées, d'agréables nuits. Ô Dieu, sous ta main puissante, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Rédempteur, nous te prions, celui auquel soit la louange et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ainsi, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de la... Maintenant, nous sommes à la 69e semaine. Nous venons de terminer la deuxième partie des 70 semaines du prophète Daniel. Cette 69e semaine qui a pris fin à la mort de notre Rédempteur Jésus-Christ sur le bois du Calvaire. Donc, nous avons encore une autre idée de la 6e parole que le Seigneur avait prononcée sur le bois du Calvaire. Lorsqu'il avait dit « Tetelestai », ça veut dire « Tout est accompli, tout est achevé ». C'était aussi pour dire « La 69e semaine vient d'achever ». Oh, alléluia. Et la parenthèse va s'ouvrir. Donc, mes chers amis, n'oubliez pas qu'on est à la fin de cette parenthèse, la parenthèse de l'Église de Jésus-Christ. L'enlèvement de l'Église va avoir lieu sous peu. À nous de garder, de rester fidèles, de garder notre foi à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, de vivre constamment dans l'humilité, dans la sanctification, afin qu'au jour de l'enlèvement, au moment de l'enlèvement, nous soyons prêts. Oui, nous soyons prêts. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Et bon nom, au nom de Jésus-Christ. Passez d'agréables soirées sous la puissante main de notre divin Rédempteur Jésus-Christ. Christ en nous, tu as l'espérance de la gloire. Si dans l'intervalle, la trompette a sonné, n'oublie pas, le rendez-vous est dans les airs. À la rencontre du Seigneur. À bientôt.